on est contre. Donc, si on ne donne pas le prisonnier à monsieur le roi va être fâché sur nous. Et je ne sais pas ce qu'il va faire, mais ça sent pas bon. Ça passerait pas à porte. Et si nous, on le donne à monsieur le roi, mais qu'il exécute le prisonnier, c'est le sud qui va pas être content et les relations diplomatiques que nous avons vont sûrement se fermer. C'est pas ce qu'on veut. C'est ça que je voulais dire. Ouais, mais c'est là où l'autre, de toute façon. C'est ce que personne ne veut. Mais moi, j'aimerais trouver un compromis. On peut sûrement trouver un compromis. Cet homme peut sûrement faire le nécessaire pour dédommager tout ce qu'il a pu casser et que ça prenne le temps qu'il faut que ça prenne. Bonjour. Excusez-moi, est-ce que quelqu'un sait ce qui se passe? Cet homme est encore dans la fleur de l'âge, hein. il a à peine 50 ans. Hein. Un condamné. Une trentaine d'années à vivre. Il vient d'arriver, ils sont en train de discuter de son sort. Les travaux d'intérêt généraux, il peut vous construire un beau palais. Ah, mais par contre, on peut lui faire faire des travaux d'intérêt généraux. Il y a une personne du sud qui a tenté la vie d'un tonnerre. Moi, il n'y a pas de problème. Oh mon dieu, mais c'est quoi? Et qui a tué beaucoup de nos dinosaures? D'ailleurs, attendez, j'ai un petit peu du mal à vous entendre. Parce qu'il va falloir qu'il rembourse de toute façon les dinosaures qu'il a tués. Miyake, comme représentant du sud. Il y a deux hommes du sud, dont celui qui est extradé ici au nord. D'accord. Et ont attenté à la vie de notre guérisseuse et ont tué plusieurs de nos dinosaures sur notre avant-poste central. Oh mon dieu, c'est arrivé quand? Du coup, le sud s'est arrivé il y a quelques jours, je crois, deux jours continentaux, quelque chose comme ça. Et du coup, le sud, on l'a jugé dans leur pays, ils leur ont mis une amende. Léger, bon, ils font ce qu'ils veulent. Ah oui, bah oui. Et là, ils essaient de se mettre d'accord parce que le roi voulait le mettre à mort puisqu'il a tenté à la vie d'une personne. Bah, bien évidemment, dinosaures. Ils ont détruit toutes nos constructions. Oh, et bon, le sud est pas trop d'accord. Ils veulent pas qu'on mette à mort parce que c'est pas dans leur principe. Gna gna gna. Bah oui, mais excusez-moi, mais bon, d'un côté, il a besoin d'une peine de mort là, avec ce qu'il a tenté de faire. Ah, on est d'accord, mais le sud, ils sont pas contre, alors ils essayent de trouver un moyen, mais à mon avis... Ah, c'est les gens du sud alors qui sont à l'intérieur là? Tout à fait. Un procureur, un juge et un sénateur. Ah, quand même. Quel est le sénateur du sud? Don Corleone. D'accord, ok. Oh, et, c'est mon vieil ami. Ah bah, et le prisonnier, il est ici? Je pense que c'est... bah pas encore, je crois pas. Ils vont bientôt le ramener, je pense. À moins qu'ils le gardent dans le sud. Mais en tout cas, je pense que lui, le Don, ça ne le dérangerait pas qu'on lui coupe la gorge au prisonnier. Mais bon, il est obligé de... Il n'est pas obligé de respecter les lois. Et les autres gardiens ont tué deux autres. Apparemment, il n'y en a qu'un seul qui a fait toutes ces... C'était lui-même, lui seul, le maître d'investigation. Ils ont l'interdiction formelle de quitter le territoire du sud. Mais pour ce qui est de la peine dans le nord, il doit prendre 50% de la peine de son du commentateur de la... Et on pourra en reparler une fois que nous aurons trouvé un accord, mon roi. Très bien. On parle encore maintenant. Mais moi, je vois aucune objection à une fois que la peine de monsieur... comment il s'appelait déjà, les deux bougres? Monsieur Lee et monsieur Marcus. Lee et monsieur Marcus. Oui, monsieur Lee et monsieur Marcus. Il n'y aura aucun problème à ce qu'on vous les amène pour qu'ils soient eux aussi jugés ici et qu'ils vivent leur peine, sans problème. Ils ont avoué leur méfait? Bah, ils ont avoué qu'eux, ils ont avoué qu'ils étaient au courant de rien. Quoi qu'il arrive, ils ont vu le bateau et monsieur Henri a confirmé. Hein. Monsieur Henri nous a confirmé ses dires, donc à partir de là... Et monsieur Henri a avoué pour tout ce qu'il a fait? Ah non, oui, il pour a la, dit, la grande majorité des choses. Et des choses en or aussi. Il avait des plantes. Ah, ça, coupable. On n'a pas jugé pour les affaires de Nord, parce qu'il était coupable. Nous, on n'a pas jugé pour vos affaires, hein, bien entendu. Ah oui, non, mais il aurait pu de lui-même se livrer, ça aurait été plus simple. Non, quand on lui en a parlé, il dit « Ah ben, je sais pas de quoi vous parlez, hein, vous savez, hein, vraiment, les... Bon, » lui, il n'est pas coupable, ça se passe, hein. De toute façon. Un plaisir que je me fais d'interroger, mon roi. Je pense qu'il a des problèmes de schizophrénie, mais bon, ça c'est si, un autre si je peux me permettre, il faudrait commencer à se dépêcher. Est-ce que, du coup, on vous le ramène et vous jugez proprement sans peine de mort? Ah, parce qu'il va bientôt s'évanouir. Hein. Oh, bah ouais. Y a pas de jugement chez nous, juste des lois à appliquer. Ah, y a pas de jugement, c'est les lois. C'est le seul juge ultime, je comprends bien, c'est le roi. Mais bon, il faut bien qu'il mette la sentence, vous voyez ce que je veux dire. Monsieur le roi, j'aimerais au nom... J'aimerais, au nom du peuple du Sud, demander clémence et que vous acceptiez la proposition de Madame la guérisseuse. Je pense que c'est elle qui doit être rendue justice. C'est elle qui a souffert de cet homme. Donc je pense que j'implore votre clémence et acceptez l'offre de Madame la guérisseuse. Moi, il sera votre esclave pour plusieurs jours et vous allez pouvoir l'humilier comme vous voulez. Ça, bon c'est pas notre affaire. Ah non, c'est pas pour plusieurs jours, là, c'est à vie, hein, qu'il faut.
Ah oui, ah, c'est oui, ta oui, vie. Oui, 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 peut-être. Il sera, ça, il sera c'est votre jouet. Il sera votre jouet. C'est ça, ou la prochaine. Il sera votre jouet. Il faut vraiment se dépêcher. Il sera votre jouet. Si on vous presse, mais non. Eh bien, en vue de tous les... Bien, bah en vue de tout ce qui vient de se passer, de tout ce que vous avez dit, je ne voudrais pas altérer au point de mener à une guerre nos relations avec le Sud. Je ne voudrais pas non plus altérer mes relations que j'ai avec la guérisseuse, avec la plupart du peuple du Nord et avec le Don ici présent. Il y a beaucoup de personnes impliquées dans cette affaire. Je pense qu'il peut devenir esclave pour toute la population du Nord à vie. Qu'il sera condamné à rembourser toutes ses dettes et toutes les choses qu'il a faites, notamment tous les dinos que nous avons perdus et les constructions. Et puis voilà, vous pouvez l'amener, nous allons... Tout à fait, ça par contre je suis tout à fait d'accord. Voilà. Attendez, il faut que j'aille voir une certaine personne. Bonjour mademoiselle. On a un cobaye qui arrive. Oh bien le bonjour, j'ai toujours pas pu récupérer la chaise, vous savez. Ah, ça va un petit peu mieux peut-être. Ah c'est, bah j'ai eu besoin de repos, hein. Je vais pas vous mentir, ces derniers jours j'ai eu besoin de me reposer. C'est que... Et ça va mieux, ça va mieux. Un peu mon cul entre deux chaises, comme on dit. Très bien. Par contre, il fallait que je vous entretienne avec vous, mais j'ai vu que vous étiez occupé, c'est pour ça que je me suis permis de vous laisser tranquille. Ah bah là c'est... C'est compliqué. En fait, on va s'éloigner un petit peu. Dis donc, il y avait du monde, moi j'étais pas au courant. C'est le Don est en train de discuter. Oui, les Amazones m'ont expliqué un petit peu la situation, ça rigole pas. Alors là, il y a beaucoup de choses que vous avez manquées, puisque de ce... tout à l'heure, vers 22h, oui, nous avons fait une petite réunion à la taverne, comme nous faisons tous les soirs, comme c'est marqué sur les panneaux. Nous étions à peu près 25 à la taverne, donc ça commence à faire. Il y a la moitié qui sont des femmes aussi, ça commence à être intéressant. Ah, oui, enfin, en tout cas, je pense que le Sud finira par nous faire la guerre pour nos femmes. Oula. Ah bah je ne sais pas, mais avec le nombre de femmes qu'on a et le peu de femmes qu'ils ont, ils vont finir par nous faire la guerre pour avoir nos femmes. Non, j'en ai bien peur. On va pas se laisser faire. Hein. Ah non, je sais bien. Ah oui, mais justement, pour éviter une guerre, j'ai préféré qu'il se passe, qu'on ait un jugement un peu plus lucide de la situation. Et je pense que ça contentera tout le monde qu'il devienne l'esclave de la plupart de la population du Nord. Oui, c'est pas bête, ça sert aussi de cobaye pour certaines choses. Et que voilà. À votre avis, ça fait quoi un homme qui subit bzzz? Ça fait quoi au bout d'un moment? Je ne sais pas, mais je pense qu'il va falloir faire un petit sac de couchage à côté de la mare à anguille. Je pense que voir comment ça marche sans certains attributs. Place à l'esclave. Faites la place. Place à l'esclave, écartez-vous. À mort. Voilà la plus attendue royale. Faites le cuire. À genoux devant le roi. Destruction d'un avant-poste sur l'île centrale. Pour tuerie de dinosaures de farm et de dinosaures de la population du Nord. Et on fait aussi appel à la guérisseuse. Est-ce qu'elle pourrait venir, s'il vous plaît? Ah oui, elle a une cicatrice sur son joli corps, c'est malheureux. Trois jours d'un coup, elle est même pas encore établie, quoi. Oh, je pense qu'elle est traumatisée de voir son apparence. Un peu. Population, je suis vraiment désolé. Tuons-le. Je sais vous demander justice, mais je suis pas dans sûr le doute de à mort. Moi, je peux pas condamner une personne, donc je suis pas sûr. Bah nous on peut. Hein. Vous êtes bien trop gentil. On va passer un interrogatoire de toute façon. Ne laissez pas sortir. On va faire passer un interrogatoire. Le doute suffit. Le village. Je suis volontaire. Donc pour moi c'est pas. On a besoin d'esclaves. Mais quoi qu'il en soit, même si c'était lui, je demande clémence. Vous savez très bien que je peux pas cautionner la mort de qui que ce soit en tant que guerrier. Il ne sera pas condamné à mort, ne vous inquiétez pas, il sera de toute façon, si jamais une sentence sera établie, il sera esclave à vie du royaume du Nord. Ah mais allez, vous voulez vous voulez réquisitionner une pièce du château pour faire un interrogatoire? Vous voulez pas les mettre dans les cages du commissariat? Oh, il y a plus de place pour sortir les thermomètres ici. Oui. Voilà. Pourquoi ne pas le tuer? Et lorsque l'officier viendra en visite, l'un d'entre nous peut prendre sa place en tant qu'esclave, pensant qu'il est toujours en vie, alors que non. Quelqu'un veut faire l'esclave? Bonjour mon garçon. Mais de toute façon, si c'est un esclave, on évite de le tuer, vu qu'il est à notre service. Excusez-moi, je sais qu'on est chez vous, mais est-ce qu'on pourrait avoir un petit silence, s'il vous plaît? Oui, sortez. Allez, moi j'ai bien, messieurs, dames. Exactement. Ce qui se passe à la capitale n'est pas forcément pareil à l'extérieur, par exemple, chez nous. On dira qu'après tout ce qu'on lui a fait subir, il a laissé une lettre et on mettra une fausse lettre comme quoi il a souhaité suicider et c'est tout. Mais oui, il y a plein de manières différentes. T'es suicidé avec des anguilles. Pas forcément avec des anguilles. Ouais, les anguilles, je vois ça pour vrai. Une chute. Sinon, le donne au requin, je vous jure qu'on ne retrouvera jamais le corps. Ah oui, bouffé par un requin, c'est pas mal. Moi, je dirais rien, mais mon mégalodon, il a faim en ce moment. Ah ouais. Ah, en plus. C'est vrai qu'il bouffe beaucoup, ce gros sac. Non mais après on peut maquiller un suicide parce que s'il demande une autopsie ou un
corps comme ça, mon effacé. Hein. Ouais, c'est bien le suicide quand même. Après, si, il a vite fait de glisser. Ouais, ouais, si, une fois d'autopsie, c'est encore mieux. Ouais, il est quand même proche. C'est vrai que tu te bodinais. Ah bah oui, bah il s'en occupe, ouais. Hein, c'est bien ce que je disais. Ah oui, on s'en occupe, et là, il y a un temps qu'il se réveille, on l'a, bah on l'a un peu abîmé, alors du coup... Oula, il... Mais vous êtes... ouais, il a les fesses rouges. Ouais. Ouais, dis donc. Bah oui, c'est... bah écoutez, j'ose pas aller devant, oh la vache. Je crois qu'on lui a cassé un peu les os. Ah bah, vous avez fait quoi? Bah non, mais c'est bien, les crottes au fil. Il adore manger des crottes. Ah. Ah bah oui, là, c'est pour ça qu'il est marron de la bouche. Ah oui, tout à fait, et qu'il s'en trouvait mauvais. Ah bah, oh la vache. Par contre, si, si il se réveille pas, on va avoir un problème. Vous savez ouais. Ça, force de bouffer de la merde. Peu, mon roi. Ah, vous avouez? Ah, c'est bien, il a avoué, c'est bien ça. Ah, regardez, bah, c'est parfait, lui, là, il a une cinquantaine d'années, là. Et déjà, on t'a dit que quand tu t'adresses au roi, tu te mets à genoux. Voilà, je préfère. Oh, c'est bien, il est à nouveau bien vigoureux. Mon roi, est-ce que je peux jouer au yo-yo, s'il vous plaît? Yo-yo. Oui. Ça va. Oh la c'est vache. Génial, oh putain. Attendez, il faut que tu manges deux trois choses là. Dame Sia, c'est magnifique. Ah oh, mais attendez, j'ai des problèmes d'oreilles. Non, c'est lui qui parle pas très fort. Une petite vodka peut-être pour vous remettre d'aplomb. Choisissez la couleur. Une chacun. Choisissez la couleur. C'est vous qui choisissez. Alors plouf plouf. Bim. Ah, bah on a pris 3. Attends, j'en ai pris une. Ah, faites gaffe, quand même, c'est fort. Hein. Ah, bah je suis solide. Là, vous allez être débouché. Laquelle? Bah là, ça va déboucher. Attendez, là, j'ai une très noire, une blanche et une rouge. On prend laquelle? Ah, la rouge, ça débouche. Bah, vous prenez celle que vous voulez, c'est vous qui choisissez. Attendez, la rouge, elle débouche. Moi, je la trouve. Si vous trouvez la rouge, vous accompagnez chez vous. Attendez, j'irai. Agent, j'irai. Vous pouvez l'assommer, s'il vous plaît, le monsieur. Oh, bien sûr. Oh, quelle est bonne. Oh la vache. Oh là 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 là, c'est fort. Oh là 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 là. Oh, quelle est bonne. Oh la vache. Ça va. T'arrêtes de faire le guignol là parce que ça va bien faire. Merci, cadet. J'ai vu fort en quelques secondes. Ah bah oui, je crois. Oh la vache, moi c'est parce que j'ai pas l'habitude de ces trucs. Oh, dis donc. Oh, ça débouche. Il y avait ça sur lui. Ah ouais, alors là je suis désinfecté pour un an. Oh. Ah. Apparemment il ne comprend pas. Oh bah c'est pas grave, au moins il est accusé pour tentative d'évasion, c'est bien ça. Excusez-moi de vous déranger, fallait que je m'entretienne avec vous vite fait. Concernant les papiers, vous savez, vous savez, Gizzy m'avait légué ses biens. Oui. Et je devais voir ça avec le commandant. Sauf que le commandant était parti, et moi, étant donné que j'ai été malade ces derniers temps, j'ai pas pu le voir. Il fallait que je voie au plus vite du coup pour faire les papiers pour pouvoir récupérer la maison et les animaux. Parce que j'ai peur que vous savez, bah vu qu'ils n'avaient pas grand chose à manger, j'ai peur qu'ils tombent un par un. Ah bah oui, mince. Attendez, venez avec moi, on va voir ça avec monsieur Latour. D'accord. S'il est disponible pour vous faire ça, sinon. Sinon, on fera ça demain. Je vais m'en occuper. Monsieur Latour, là, je ne pourrais pas être à sa place. Est-ce que vous êtes encore. Vous avez encore du temps ou pas? Si c'est pour la dame, oui. Sinon, non. Ah. Bon bah alors je vous laisse avec monsieur Latour. D'accord, bah je vous remercie. Allons dans mon bureau. Ouais, oh, bah d'accord. Allons okay. Dans mon bureau. Je bah, vous suis. Mon roi, si vous voulez venir voir mon bureau aussi. Ah oui. Non mais ne me dites pas que vous avez mis ça dans les mains publiques. Ah quand même. C'est mon bureau. Ouais. Ah c'est pas les mains publiques, c'est les mains de la police mais. D'accord. Ah c'est votre bureau. Bah c'est ouais, cosy. Bah, non, bah c'est juste pour les policiers hein. Ah, c'est ouais, plutôt cosy. Okay. Oh. Ah c'est dedans. Ah c'est dedans oui. Ah d'accord. C'est un bain de minuit. Vous venez mon roi, petit bain de minuit. Allez-y. Ah bah plus on est de fous, plus on est heureux. Venez cadet, venez à Jean Giraud. Ah bah, allez-y dans entre hommes, hein, je vous regarde. Oh, allez-y. Venez avec nous. Allez-y entre hommes. Non merci. Ah mais c'est un bain mixte. C'est un bain mixte. Mais j'ai même passé. J'ai même passé, monsieur roi. Et il y a des bancs et tout dedans. Vous pouvez vous mettre sous la cascade, ça gère. Par contre, avant le... Oh non, mais non, mais ça monsieur va aller. Avant le bain, merci de passer ici. Allez, ah bon, je vous suis d'accord. Ah, c'est quoi ici? Qu'est-ce que c'est? Il faut passer là-dedans avant. Qu'est-ce que... Ah bah oui, forcément. Bon bah, oula, bah fermez la porte. C'est cette idée-là en fin d'après-midi. Attendez, pardon, le trône royal. Cette porte. Oui. Ah, quelle infamie. Kira? Il ne faut pas faire ça. Détruisez ça immédiatement. Fermez-moi cette porte, merci. Oui. Non mais oh. Vous voulez jouer ça? On aura plus d'herbe, comme dans le sud. Ça va être la fête. Enfin.
Ah oui, je vais régler les écrous là parce que ça va pas du tout. Ah, vous voyez, vas-y, je vous écoute, madame. Donc en fait, je vous explique un petit peu la situation. En fait, il y a eu le décès récemment de Guizy, et en fait, il m'a légué l'intégralité de ses biens. Et le souci, c'est que le commandant ce jour-là était occupé, il devait y aller. Moi, j'ai pas pu venir plus tôt. Et le problème, c'est qu'il faudrait que, bah, du coup, on fasse les papiers pour que je puisse récupérer ces biens. Parce que j'ai peur, vous voyez, vu qu'il n'y avait pas grand-chose à manger pour les bestiaux, j'ai peur qu'ils tombent un petit peu dans les pommes. Eh ben, on va aller faire ça tout de suite, madame. Ah bah, je vous remercie beaucoup. Je suis sûr que vous n'avez jamais vu la chevelure du roi. Oh là 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 là. C'est vraiment un beau gosse, le roi, attention. Quelle crinière. Regardez-moi ça. Oh là là. Tel le roi Arthur. Dans cette mon pays. Classe. Tellement magnifique, ah, roi, mon roi, vous me ferez presque changer de bord. Hein. Oh là. Oh, non. On va juste les mettre en blanc, votre chevelure, elle sera magnifique. Je prends ça pour un compliment. Pourrions-nous nous entretenir dans le bureau après mon retour? Oui. Oh. Ah, de la lumière pour ma chevelure. Oh, c'est magnifique. Donc. Oui, dorez-la bien. Oh, c'est merveilleux. Magnifique. Vous voyez comment la lumière se reflète sur le cheveu? Ça, c'est un champ en bonne santé, ça. Ouais. Je vais peut-être devenir nous une. Regardez-moi cette queue. Elle est peinte. Le kiki du roi, regardez-moi le kiki du roi, comme il est beau. Ah, il est dans la brillance, tout pareil. Oui, tout pareil. Oh, le regard qu'il a envers vous est incroyable. C'est quoi? Non? Ah, c'est le kiki du roi. Il est fidèle. Regardez-moi plutôt. Fidèle. Il l'a toujours avec lui. Oh. Ah, bah bien sûr que j'ai toujours mon kiki avec moi. Ah, bah ça. Je ne l'ai jamais, mon kiki seul. C'est la chameuse du roi, c'est le roi. Quand il dit de le regarder, faut le regarder, non? Voulez-vous nourrir le kiki du roi? Ce serait très bien. Vous le cassez. Non, c'est bon. Il a faim. Je sais pas ce qu'il faut, je sais pas ce qu'il doit manger, le kiki du roi. Ah, si, vous avez ce qu'il faut. Vous avez ce qu'il faut. Par contre, vous pouvez le caresser. Ah, ça, ce serait. Ouais. Il adore les caresses. Voilà. Il remue de la queue à chaque fois. Ah, bah, j'en doute pas. Mignon. Mais arrêtez de bouger, je veux regarder le roi quand même. Village, vous regardez le kiki du roi, admirez-le. Non, le kiki du roi sous la lumière. Ouais, mais arrêtez, j'y grève là. Oh, si vous me faites un bisou, j'aurai tout de suite. A few moments later. Allez-y, hein, c'est chez vous. Hein. Ok, merci. J'ai encore du mal. Attends, je crois que c'est là-bas qu'ils faisaient cramer les gens. Ah, mais non, moi, si c'est par là, moi je veux pas y aller. Hein. Attends, cramer les gens, salle de dressage. C'est écrit salle de dressage. C'est sûr que c'est une salle de dressage. Bah écoute, non, bah attends, vu ce qu'il y a là, je crois que c'était la fameuse salle où ils faisaient cramer les gens. Par contre, il y a un bruit vraiment bizarre. Oh, j'ai eu peur. Oh, oh là. Oh là. M'a fait peur. Oh, ça surprend, c'est ça que j'entendais. Bouh! Oh bah, peur, hein. Faites pas ça, je suis cardiaque! Oh. C'est des coups à me faire claquer, ça! Eh bah, ben, si! Oh là là! Vous avez vu? Je pourrais vous gratter un chien? Bah, une vache, oui, une vache, c'est vrai qu'ils ont changé de. Mais je compte faire des portées en fait. À partir de demain, je fais des portées. Je vais l'aider un peu aussi. Comment? Le plus nul, peut-être. Bah attendez, on va regarder. Oui. Bon, il faut que je fasse encore des manips. Oh là, attention, je suis obligé de faire une perquisition ici, hein, je vous le dis tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Oh, il y a de la drogue. Attendez. Bah attendez, il se moque pas de moi le jour de la... Bah justement, le jour où ils m'ont annoncé le décès de Guizy. Justement, ils m'ont expliqué qu'il y avait de la drogue. Et je leur ai dit, moi je veux pas de ça. Ils m'ont dit, vous inquiétez pas, on va tout perquisitionner. Ah bah voilà. Bah où ça? Où ça? Là-dedans là? Alors là-dedans là? Qu'est-ce que... Oh putain! Oh ça pue la merde là-dedans! Eh bah voilà, c'est perquisitionné, mesdames. Bon, on va fermer la porte, hein. Oh là là. Bah attendez, m'enfermez pas avec. Je voulais pas de base. M'enfermez pas avec tout ça. Par contre, je crois que ça... Ah bah y en a ici aussi. Bah oui, bah je crois que ça c'était la salle de torture, vous savez. La fameuse salle en question, je crois que c'était ici. Parce qu'à ce que je vois là, il y a des fenêtres tout autour. Il y a un gros trou au milieu. Je pense aussi que ça Excusez-moi, soit ici, pardon.
Allez, pas de soucis. Je vais juste contrôler s'il n'y a pas d'armes. Ah oui, allez-y, gun, allez-y. Après, bon. Bah écoutez, ils ont dit qu'il y avait des armes. Donc s'ils n'ont pas perquisitionné déjà la drogue, je pense qu'ils n'ont pas pris les armes non plus. Regardez, ouais, hein, regardez. Ouais, vous inquiétez pas pour les armes, je m'en occupe. Ah ouais, ouais, bah merci beaucoup. C'est un mal ou une femme? C'est mal, celle-là. Alors ça, un petit mal. Je l'emmène avec les autres pour pas les perdre. J'ai des petits problèmes de vue, un coup sur deux. Je la vois toute nue la madame. Oh, dis donc. Ça va être perquisitionné aussi, ça. Ah bah, je vous vois venir. Dans le bain à remous, c'est ça? Bon, bah pour finir, il n'y a rien d'autre. Oui. Ah oui, oui, voilà. Oui. Ah, je voudrais t'arrêter. Oh non, il a pris. Perquisitionné. Il a pris. C'est pas discutable. Non mais, c'est pas vrai. Pour un gars qui aime beaucoup le roi... Bah oui, dis donc, faut savoir, monsieur... Un coup c'est le roi, un coup... Vous voulez que je vous perquisitionne aussi pour détention de cannabis? Parce que je vous rappelle que c'est à vous tout ça. Bah écoutez, c'est la police qui a pas fait son boulot. Hein. Ils ont dit le jour... Ouais, ils sont pas venus chercher avant. Bah oui, le jour où ils m'ont annoncé sa mort, ils m'ont dit qu'en fait on ferait pas les papiers tout de suite parce qu'ils allaient perquisitionner dans l'heure tout ce qu'il fallait. Ah bah je crois que c'est fait, il y a pas de drogue en fait, il reste que des vieilles plantes ici. Ah bon, d'accord. Ah pour être sûr, hop. Oui, allez-y. Vous pouvez ramasser l'engrais si vous voulez. D'accord, bah je vous remercie. Ah bah laissez-le en bas. Je vais essayer de passer par... Oh, il y a un scorpion, dis donc. Il y a un scorpion. Où ça Mais là, devant la porte, devant la porte. Oh là là, oh dis donc, oh, notre sauveur. Ah, il est arrivé, il l'a attrapé en plein vol. En plein vol, le bestiau. Oh là là. Oh là là, quel homme. Oh putain, il est où le monsieur, là? Il est parti, monsieur? Qu'est-ce qui... Il est là. Oui. Oh là là, le mouton, yonk. Quel acrobate. Attendez, il y a un petit souci, là. Deux secondes, vous prenez ça, moi j'en veux pas. Je viens de regarder, là, dans Rita. Tenez. Parce que... J'imagine ce qu'il y a là-dedans. Voilà. Et ils sont où? Là-dedans. Voilà. Ça, j'en veux pas. Ah, moi j'en veux. Ah bah, cadeau. Il n'y en a pas d'autres? Ben non, écoutez, attendez, je regarde. Bah c'est quoi qu'il y avait là? Des grenades. Non, les autres, après, il n'y a rien. Il n'y avait vraiment que celui-là, là, qui était un petit peu... Oh putain de merde. Oh putain. Oh nom de Dieu. Oh la vache. Oh, vous imaginez, ça aurait pété dans ma baraque. Il n'y aurait plus de moutons, il n'y aurait plus rien.